are awesome, so yeah. Je suis enfin en Suède pour découvrir ma nouvelle collection que je fais en collaboration avec Nike. Donc voilà, c'était l'un de mes projets que je cachais depuis février. Je suis vraiment trop contente, je rencontre l'équipe, je vois leur studio, etc. Et c'est vraiment cool, franchement. Donc je vous embarque avec moi pour cette petite journée. C'est bon ? Ah. Il est grave beau, hein ? Ça, c'est la veste. Ah, ça va, elle est bien la matière. Par contre, c'est pas en noir. Celle-là, je l'avais vue. Putain, elle va être trop cocooning, celle-là. T'imagines, en fait, c'est des trucs qui étaient dans ta tête, ça. Oui, c'est bizarre. Tout ce qu'elle avait dans la tête existerait vraiment, ce serait pas dans la. Je pense qu'elle est très fit. On va voir si c'est les dernières qu'ils ont après les derniers retours qu'on a eu. Ah, là, c'est bien ça. Ce sentiment de satisfaction quand t'as les pièces que t'as créées entre tes mains, que tu peux toucher les matières, etc. C'est franchement le feu. Du coup, j'ai rencontré un peu l'équipe avec qui je travaille par mail, enfin pour poser des visages dessus. On a parlé des derniers prototypes, des dernières images qu'elles m'ont données. Et ensuite, on passe à l'essayage. Au revoir. Bye bye. Bon, j'ai gardé mes chaussettes. But I think the neckline now is good. What do you think? Mm-hmm. Yeah. Comment on dit, ça gratte un petit peu à l'intérieur. A little bit. Can add lining. Puis il est chaud en plus, donc ça sera bien pour la saison. Nice. Non, franchement, c'est bien. Là, il y a la place pour la ceinture. Moins ouais. Lésée. Ouais. Ok, let's try. Right. Ok. Ah, il est trop mignon. Nice. Il tient bien en plus. Now from here to here. J'ai hâte de le porter. Oh, c'est un gros doudou. J'adore. C'est laquelle? C'est laquelle? C'est laquelle? On a vu des. Est-ce qu'il y a un iPhone qui rentre là-dedans? Vas-y. Achetez. C'est bien, il y a même des iPhones. Et je pense que le crop, il faudrait que ce soit plus crop, tu vois. Par rapport au jean. Thank you. C'est parfait pour l'automne. C'est joli. Tourne un coup. Ouais, c'est beau, hein. It's very cool. Yeah. Oui, non, elle est pas transparente. I want this part to be longer and this part to be shorter. Tu veux une matière dure parce que quand il y a du vent et tout, ça tienne. Après avoir essayé toutes les fringues, déjà je suis hyper ravie. On parle de la prochaine collection et franchement j'ai trop hâte, ça va être plutôt dans le mois de février je pense. Je vous en dis pas plus, même si en vrai je le sais déjà. Et ça va être trop cool. Je t'avais dit justement par rapport à la photo, les faire longues, froid. Et le haut là, can you show the... yeah. Bah c'est comme ça, chemise. Yeah, like the apartments. Yeah. Like I think this one is really nice. Une fois qu'on a fini tout ça, on passe à la partie interview, promotion, et je vous mettrai le lien de la vidéo en description parce que franchement elle était super drôle, je disais non dans cette vidéo. Hey tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Naked et aujourd'hui vous êtes avec Romy, c'est moi. Pasta ou pizza? Pasta, ça dépend, je veux dire si je suis à la plage, flemme d'être trop habillée, tu vois. Un petit peu nu comme un verre, c'est mieux. Allez, nu comme un verre. Naked, ça dépend quel contrat on va signer ensemble en fait. Oh mais vous êtes là. Hey tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Romy. J'espère que vous allez tous très bien. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce que fout celle-là? En fait, là, on est dans les bureaux de Naked. Donc, c'est la première fois que je suis ici. Je suis un petit peu timide. Mais en fait, ça fait depuis le mois de février que je bosse avec Naked sur une collection. Donc voilà, je suis trop contente de vous annoncer que je sors une collection avec Naked et même d'autres qui viendront après. Du coup, j'ai toujours marqué mes petites notes. Alors, en fait, pour ceux qui connaissent pas Naked, c'est un site suédois, donc une marque suédoise où il y a la mode en général, en fait. Il y en a vraiment pour les addicts de mode, y a tout ce qu'il faut là-bas. J'ai décidé de vous montrer tout ça directement dans le studio parce que je trouvais le décor grave ouf. Et en fait, là, on a la collection des petits trucs comme ça. Je vais pas tout vous montrer. Faut garder un petit peu de secret et de pas spoiler. Bref, j'arrive plus à parler. Par exemple, on a des trucs comme ça. Je vous montre, je vous spoil un petit peu quand même sur la collection. Mais des trucs tout fluffy comme ça et je suis trop contente. J'avais tellement l'idée dans ma tête et le fait de le voir maintenant en vrai devant moi et l'avoir porté tout à l'heure, c'est grave le feu. Du coup, la collection sortira fin octobre. C'est pour ça que je vous sors la vidéo en avance parce que je pouvais plus du tout me taire. J'étais obligée de vous le dire. Donc je suis trop contente et j'espère que vous aussi, que vous allez kiffer les pièces tout autant que je les kiffe. Alors, je préfère vous le dire, soyez très indulgents avec moi s'il vous plaît parce que
c'est la toute première collection, je suis en collab avec une marque et c'est vrai que ça n'a pas été aussi simple. Enfin, on a fait des retours sur des matières, etc. Vous vous doutez bien qu'une fringue, tu la sors pas comme ça en deux secondes. Mais en tout cas, on a réussi à faire des trucs grave cool et j'espère vraiment que vous allez kiffer. Genre ça, c'est un petit trench en vinyle. Je dis petit tout le temps, mais il est pas petit, il est grand, il est long et il est trop beau. Bref, je vous en montre pas trop non plus. Et vous allez pouvoir faire des tenues de ouf. De toute façon, je vous ferai des vidéos sur les tenues, sur tout ça. Donc au niveau des tailles, ça va du 32 au 42 pour le moment. Donc je vous explique vraiment, très sincèrement, entre nous, j'ai demandé à Naked si c'était possible d'aller jusqu'au 44. Sauf que pour cette nouvelle collection, vu que ça s'est fait vachement rapidement et tout, enfin vraiment entre les retours, des trucs comme ça, vraiment pour comprendre chacun de notre côté ce qu'on voulait, etc. Bah en fait on n'a pas pu sortir des tailles en 44 ni 46 pour cette nouvelle collection, mais en tout cas eux qui n'ont jamais l'habitude de mettre du 44 et tout sur le site m'ont dit on t'a entendu et tout, on a compris ton message, donc on verra pour faire ça la prochaine fois, donc 44 sûr et peut-être 46. Donc voilà, en tout cas ça c'est dit. Ensuite je vais m'asseoir parce que je suis fatiguée là d'être debout. C'est mon agent qui est en train de rigoler derrière, c'est toujours de moi. Du coup on va faire un meet-up. Donc en fait tout à l'heure on s'est mis dans une salle de réunion, de toute façon vous avez vu les plans avant je pense. On a parlé un petit peu de la collection là, j'ai fait mes derniers retours et tout, parce que c'est la toute première fois que je voyais ces petits bébés là devant moi. Et donc on a parlé aussi de la collection qui arrivera plus tard. Bref, ça c'est encore secret, ça va être trop cool. De toute façon je vous balancerai tout ça évidemment sur les réseaux, je pense que vous allez en entendre un petit peu parler. Ensuite il y a la newsletter, donc je vous parle de la newsletter parce qu'on s'est dit qu'on allait vous donner un code promo. Il y aura un code promo de moins 15% d'entrée si vous abonnez à la newsletter de Naked, qui vous donnera un code promo, qui vous balancera les photos en avant-première de la collection. Et pareil, 30 minutes avant que ça sorte, vous aurez accès en avant-première pour choper toutes les pièces que vous voulez. Je sais plus quoi dire, je perds mes mots. Je pense que ouais, on a grave fait le tour. De toute façon là on va aller prendre l'avion parce que bah on est déjà en retard, le taxi va venir nous chercher. Du coup voilà, j'espère vraiment que vous êtes contents. Et en plus vous aviez été nombreux à deviner ça dans les commentaires, à me dire ouais, tu ferais pas une marque de vêtements, tu ferais pas un truc en collab et tout. Bah c'était ça. Du coup voilà, on se retrouve pour de nouveaux projets et de nouvelles aventures, en tout cas avec Naked. J'ai trop hâte de vous accompagner avec moi sur des trucs de réalisation, des trucs comme ça, enfin ça sera grave cool. Allez hop, on fait un gros saut dans le temps puisqu'on se retrouve 2 mois après à Stockholm. Il faisait hyper froid mais j'étais trop contente d'être là, vous allez voir pourquoi. Tu me vois là? Bon du coup là on se retrouve absolument 30 piges après, même plus si pour vous ça a été un claquement de doigts. Et on va faire le shooting de la collection. On est combien déjà? Ouais, le 9 octobre, il est 6h32. Je suis actuellement encore endormie. On va shooter toute la journée et après on se casse ce soir. Bon, du coup, le make-up est fini, c'est beaucoup trop beau. J'ai pas l'habitude d'être aussi bien maquillée. Là, on va aller direction le shooting, on va prendre le taxi. On va aller dans un appartement. C'est parti. On est enfin arrivé sur le lieu du shooting. On a 5 heures devant nous, c'est parti. Jules, t'as vu Jules? Mais je suis trop contente. Oui, parce que pour la petite histoire, j'ai partagé un truc sur Jules dans ma story. Il a repartagé dans sa story, j'étais en folax. Bref. Ça suffit de faire le canard, maintenant retour en arrière parce que j'avais décidé de faire la conclusion au bureau Naked. Je vous en dis pas plus et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous aime très très fort. Bisous!